Bonjour les amis, bonjour YouTube, c'est Inès. Je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo cuisine, la cuisine congolaise. Une sauce de poisson salé avec les aubergines. Alors pour cela, nous aurons besoin du poisson salé. Je l'ai déjà trempé dans l'eau depuis hier, donc il est plus ou moins dessalé. Et puis les aubergines, la tomate. Les ciboules, piment, ginger, du feuille laurier, les poivrons, ciboules, l'ail avec l'oignon. Et puis j'ajoute aussi le bouillon de poisson. J'aime bien, ça donne un goût. J'aime bien ça. Donc pour cela, je vais d'abord commencer à frire le poisson salé. Donc je vais mettre l'huile au feu. Et puis après, nous allons commencer à frire le poisson. Merci. Voilà, donc là, je suis en train de frire le poisson. Je vais continuer comme ça et puis après m'occuper de d'autres condiments à côté. Dès que je finis, ben, comme ça, je vais pouvoir faire la sauce. Ok, à plus. Alors voilà, j'ai fini de frire les poissons. C'est déjà prêt. Dans une marmite, j'ai déjà mis l'huile pour faire la sauce. Donc, je vais d'abord ajouter. J'aime toujours mettre la tomate en premier parce qu'il y a un peu d'eau. Comme ça ne va pas sursauter partout. Donc, je mets d'abord la tomate. Voilà, j'ajoute l'oignon. Je mets l'ail. Ça ici le poudre la poudre de le bouillon en fait de poisson avec un peu de sel parce que le poisson est complètement dessalé. Vous n'êtes pas obligé de mettre le sel hein. Moi j'ai mis un petit peu seulement juste pour donner le goût à la sauce parce que si le poisson est encore salé, ça ne goûtera pas bon. Donc évitez de mettre le sel si vous n'avez pas encore goûté votre poisson. Et puis j'ai mis aussi du poivre noir. Voilà, je vais mélanger tout ça. Hein. Voilà, la sauce, elle est prête. Là, maintenant, je vais ajouter le poisson salé. Les aubergines. Fais attention pour que ça reste en entier. Donc là, c'est en train de bouillir. C'est le moment où je vais mettre maintenant
mes légumes ici, les poivrons. Et puis après, je mets les piments. On baisse le feu pour que ça ne brûle pas. Et puis, j'ajoute un peu d'eau pour faire cuire un peu les choses. Alors là, maintenant, je vais couvrir et je laisse bouillir au moins 10 minutes afin que les aubergines ne puissent pas bien cuire pour que ça garde un peu la saveur. Donc, je vais laisser ça ici 10 minutes et puis après, je vais checker pour voir si c'est déjà prêt. Voilà, je viens de voir notre sauce au poisson avec les aubergines. Donc là, c'est déjà vraiment bon. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'ajoute un peu l'oignon à la dernière minute. J'aime bien quand il y a l'odeur de l'oignon avant de servir. Donc, je mets l'oignon. Je baisse le feu et je couvre. Au moins 5 minutes encore, le temps que l'oignon puisse dégager un peu l'odeur. Et puis, voilà, ça va être fait. Voilà les amis à quoi ressemble notre sauce au poisson avec les aubergines. Elle est en fait prête. Voilà, c'est bon. Donc, nous allons nous mettre à table pour déguster. Voilà les amis, c'est la fin de notre cuisine de la sauce au poisson avec les aubergines. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Aimez, partagez, faites des suggestions aussi. Alors, moi, je vous souhaite bon appétit et à la prochaine vidéo. Merci, bye bye.